Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver sur les pistes avec la suite de notre carrière biathlon, première année en World Cup. L'année dernière nous étions en seconde division, nous sommes montés voilà, à la faveur d'une troisième place, on est allé chercher, on est bien, maintenant on est là, parmi les grands. Alors certes on n'est pas premier là, voilà, on arrive sur la pointe des pieds, j'ai envie de dire sur la pointe des skis, hein, voilà, on est bien. On est septième, par contre on est le meilleur jeune, hein, vraiment, celui qu'on appelle le tireur le plus rapide de l'Ouest, voilà, le fin tireur occitan, il est là, devant vos yeux, quatrième étape de la Coupe du Monde, il y en a six, à l'issue on pourra faire progresser notre coureur hein, qui est à 79 pour l'instant, quand même réussi à prendre une petite médaille d'argent, une petite médaille de bronze, il reste peut-être un exploit à aller chercher pour prendre une première place. Il faudra faire attention, en tout cas, à Karim Khalili qui nous poursuit à 34 points derrière pour essayer de nous voler notre maillot. On est parti, première étape donc en Chine, c'est le sprint, deux tirs, trois tours, il faut aller vite, il va faire très très froid, il n'y aura pas de nouvelle neige et là j'ai envie de te dire que ça va être très très chaud. On est parti et on court, et là on va courir, on va mettre bien sûr notre mythique petite tenue. On va passer avec des Hamilton, Hamilton, oui on connaît par cœur maintenant, hein, Hamilton Evolution 2, voilà, pour être 5% plus rapide quand il fait entre moins 16 et moins 20 sur de la vieille neige. On va prier pour être bon. Je vais partir parmi les premiers, parce qu'on peut choisir si on part parmi les premiers, parmi les troisièmes. Je vais décider de partir par les premiers. Effectivement, j'ai un coéquipier argentin, un certain Panache, ouais, mais inconnu ici, hein, qui n'existe pas, hein, qui est très mauvais, qui est en fait dans une fausse division, qui m'a dit qu'on pouvait choisir entre premier, deuxième et troisième, donc je vais prendre premier, et comme ça, ce sera pas mal. Écoutez, c'est parti. Ok. On y est, on va partir en quatrième position. On est avec les premiers, il fait moins 19 degrés, on est parfait, on a dit entre moins 16 et moins 20. C'est la température optimale pour partir. On va partir avec Sepala derrière nous, devant nous Johannes Beu et Khalili en 7ème position. C'est parti les gars, on attend 34 secondes, pas du tout. On passe et on y va, on va accélérer d'entrée. Et c'est parti, première épreuve de la Coupe du Monde en Chine, on est bien. 3 tours, on va essayer, on le sait, nous c'est pas les skis, on n'est pas fort encore sur les skis. On va quand même essayer de se faire mal. Hop là, j'ai accéléré comme un bonnet depuis le début en fait. Et là je me retrouve à être trop trop con. Aïe. Oh la connerie. Et ouais, mais voilà, on n'est pas bon. On a le décalage horaire aussi, on est arrivé en Chine, on est fatigué. Mais on est à moins 0,7. Hop là, moins 0,7 et pour l'instant on prendrait le premier temps. Hop là, et on reprend. On est bien. Et là on y va. Et on se remet en two shoes. On y va, on fait attention au kilomètre heure, on fait attention au BPM. On se remet, on remet un petit coup. On y va, on charge, on essaie d'être bien. Petit faux plat. Et on va prendre l'intérieur, extérieur, on sait. Les trajectoires sont idéales, il va falloir gagner du temps là-dessus. Et on passe pour l'instant avec 0,6 de retard sur Beu qui va forcément beaucoup plus vite que nous sur les skis. Allez. On se réchauffe, il fait très très froid. Moins 20 degrés les gars, moins 20 degrés. C'est un enfer. Non mais moins 20 degrés, faut s'imaginer le truc. Hein. Là c'est horrible. Moins 20 degrés. Et on arrive. On arrive sur le pas de tir. Et on est pour l'instant en quatrième position. Et on va essayer de faire parler notre tir. C'est maintenant les gars. C'est maintenant. Allez. On va tout donner. Je rappelle, on joue en difficile. Les cibles sont loin. On va essayer de tirer avec une vitesse pas mal. Premier tir de la journée. Ah il est dur. Ah il est pas si rapide que ça le premier tir. Mais bon, on va dire qu'il est correct. Pas meilleur, on a connu mieux. On voit le leader de la Coupe du Monde, Quentin Fillon-Maillet. Nous on a le petit maillot bleu derrière, vous voyez ce maillot là. Et bien tout simplement c'est quoi? Et bien c'est le maillot du meilleur jeune. Puisque oui, on est sur la catégorie U25 premier. Allez on va partir, le gros mur là direct dès le départ. On va y aller, c'est dur. On va en mettre un petit coup. On arrive, allez, on s'y met. Pff, c'est dur, hein. On est bien et on y va. On a une seconde de retard sur Pidrunchny, mais le problème c'est qu'on est parti très tôt. Il y a beaucoup de coureurs qui vont passer après nous. Donc même si après la ligne d'arrivée on passait par exemple en première position, probable que quelqu'un va nous repasser devant. Mais c'est pas grave, on est bien, on est sur les skis, on n'a pas fait d'erreur. C'est aussi ça qui fait notre qualité cette année, la régularité sur les tirs. Et faudra tout donner encore une fois là-dessus.
Ouais, je vois que certains noms ont été donnés dans la presse, hein. On le compare, le Mbappé du biathlon, on a vu des noms passer, hein. C'est incroyable à peu près par... Ah, voilà, des gens qui sont en train de nous comparer, de voir que, à quel point on domine. Attention, oh là là, l'erreur, j'ai un petit peu patiné là sur le haut de la piste. Et du coup, on a dû perdre beaucoup de temps, on est à 3 secondes de retard. Surpris d'Oujny, c'est terrible. Moins 19 degrés toujours, il fait très froid. On remet une petite couche et j'ai l'impression que je suis pas bien sur les skis. En plus, je skie mal. Mais moins 20 degrés, tu ne peux pas bien skier, il fait si froid. Allez. Troisième place pour l'instant, Et on remet notre viseur pointeur au milieu. Ah, on a quand même pas mal, on est très fort sur les BPM, vous le voyez en haut, 180. On va se calmer un petit peu parce que ça va bouger, ça bouge beaucoup du coup. Et ouais, ça bouge énormément. Mais il est quand même fin tireur, oui, il est beau, c'est pour ça, la réputation n'est pas galvaudée, il tire plus vite que son nom, et ça, tout le monde le sait en Occitanie, c'est incroyable, et il va, ouais, 6,5 secondes, hein. 6,5 secondes, on n'avait pas été si rapide que ça sur les tirs, perdu beaucoup de temps sur la mise en place, hein, sur le premier tir et le deuxième aussi, mais on ne prend pas 15 secondes hein, à peu près ce que nous coûte. 15 secondes, c'est ce qui nous coûte à peu près un tir raté. C'est un 10 sur 10, oui, on va dire qualitatif. On va se mettre en position. Maintenant, il faut terminer le tour. Et on voit que Khalili est sur le pas de tir. Il a fait une erreur, c'est terrible pour lui. Il a fait une erreur et ça, il va le payer. On a 7 secondes, on est 3ème. On restera pas 3ème longtemps, hein. Je pense on va tomber un peu plus dans ce classement. Même si les premiers... sont quand même partis en début de run sur ce sprint. Donc on peut espérer quand même prendre une belle petite place. Alors que Pichdrouchny est littéralement premier pour l'instant. Et nous on est à 8 secondes, hein, vous le voyez. On perd beaucoup de temps là maintenant sur les skis. À la faveur de qu'on est nul. Hein. On est nul. On n'a pas les cuisses assez encore congestionnées, assez travaillées. On a les petits cuisseaux encore. Voilà, c'est ça qui est terrible. On a les petits cuisseaux. Allez, il faut en remettre, faut accélérer. Il n'y a plus rien dans la chaussette, mais c'est pas grave, on va y aller. 8 secondes de retard qu'on avait, et on va le voir à l'arrivée. Allez, on essaie de bien faire, de mettre des petits coups. Et je peux même pas, j'ai plus de sprint, on perd tellement de temps. Oh là là, 10 secondes de 9, et on voit, on se couche en PLS les gars, c'est la PLS en arrivant. C'est pas grave. 10 secondes de 9. Alors là, ouais, on passe 5ème. On va dégringoler, ça c'est sûr. Ce qu'il faut, c'est... Ouais, Khalili est juste derrière nous. Aïe, 8ème, 9ème, 10ème. Aïe. Il faut pas être au-delà de la 21ème place, sinon c'est terminé. Bon, on est 13ème. On est 13ème, Khalili. Et 15ème, puisqu'on se bat concrètement avec lui, hein, pour le maillot bleu. Donc on prend 0,6. On va regarder quand même les statistiques. Au niveau du ski time, on est à plus 12 secondes. On perd 12 secondes sur les skis. En shooting time, on a perdu 2 secondes 7. Ce qui est plutôt correct. Je pense qu'on perd beaucoup de temps. Plus 0,9 là. Et plus 2. Ah ouais. Ouais. On a été un petit peu lent en fait sur le tir debout. Je pensais que c'était le tir couché. Et on a fait 8 secondes 1 sur le tir couché. Et on a fait 8 secondes 6 sur le tir debout. Mais c'est vraiment le gros problème. C'est que ouais, on perd du temps sur les skis. 1 seconde. 4 secondes 8. Et là, on a perdu 6 secondes sur les skis sur le dernier tir. Ça fait très très mal. C'est pas grave. C'est la première. On prend des points. On était à 230. On a pris combien? On a pris 28 points. Khalili est à 22. Donc on a 36 points d'avance. Mais mec, ça n'a pas bougé. Il y avait 36 points de retard. C'est quoi cette arnaque là de répartition des points? Non, il avait peut-être 34 points. On a récupéré 2 points. 258. On est 9ème. Quand même 9ème parmi derrière les meilleurs. Hein. Les Quentin Fillon-Maillet, les Martin Fourcade, etc. Le grand espoir. Alors, il va faire warm, il va faire snow. On va bien sûr regarder le tableau, les gars. Il en est où, le tableau? Il en est là, le tableau. Alors, on a dit quoi? On a dit que c'était warm et snow. Warm et snow. Donc, on regarde warm, on va aussi warm et snow. Donc, ça veut dire qu'il neige. All snow, no, yes, de la nouvelle neige. Non, là, ici. Et on va prendre celle-ci. Et on y va. Et ce sera de la Rosengel Sonic 1. Et on sera bien. Rosengel Sonic 1 et on est bien. Let's go. On va prendre bien sûr notre tenue favorite. Rosengel Sonic 1. Plus 6, moins 2 avec de la nouvelle neige. On espère que ça va partir.
c'est logiquement la poursuite là, hein, qu'on va faire. Ah, c'est le relais. Oh, c'est le relais. Oh, c'est le relais, c'est un enfer. Oh non, le relais, c'est un enfer. Ça dépend avec qui on le fait. Hein. Ça dépend avec qui on le fait. Logiquement, il y a Martin Fourcade. On devrait être plutôt. Ah, c'est moi qui débute le relais. C'est moi qui débute le relais, les gars. Eh bien sûr, la France qui veut peut-être. On va peut-être aller chercher une médaille d'or. On peut peut-être aller chercher une médaille d'or en relais. En vérité, on est boosté. Hein. On est avec la France, donc effectivement, on va pas se mentir. Ça aide un petit peu d'être avec la France, d'être avec les meilleurs. Et là, on y va. On se fait mal. Et on va sprinter. On essaie de leur faire très mal. Hop là, et on y va. Là, il y a qu'un tir. Hein. Il y a qu'un tir, les gars, et on est bon. Oh oui! Regardez ça, on met une seconde, une à l'Allemagne et à la Suède. On est bien. Là, on est... Ouais, mais quand on représente le maillot de la France, c'est pas pareil. Il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui nous pousse derrière. Je sais pas ce qui nous pousse, mais en tout cas, on est bien. Allez, allez, on remet un petit peu de rythme. On se couche une seconde, un d'avance. On va essayer de faire du mieux possible pour laisser en orbite Martin Fourcade et Simon, peut-être la française. Il y a 8 tours, il y a 8 tours. Allez, allez, faut en remettre une couche. On est bien. Si on arrive premier sur le pas de tir, ça mettra 57 secondes. Et on a 0,9, quasiment une seconde d'avance sur les poursuivants RIS et Loginov, les Russes. On se met bien, on regarde, on prend l'intérieur et on y va. Allez, on met bien. C'est bien. Il faut absolument. On va tirer vite. On va prendre du risque. Les gars, on est avec l'équipe de France. Faut élever le niveau de jeu. Ah là, c'est le rythme cardiaque. J'aurais dû baisser, j'aurais pas dû accélérer autant. On est à 190 BPM. C'est peut-être un petit peu trop élevé. C'est un petit peu trop élevé, mais on va tout donner. Allez. On met là l'aiguille au milieu du village. Que ça soit à côté de nous. Pas de faute. Faut recharger. C'est pas grave. Faut recharger. Ok, c'est parti. Ah, c'est pas ouf, c'est dommage, la petite erreur, j'ai essayé de compléter vite et du coup on a été obligé de prendre la balle de pioche et on part avec... Aïe, ça se joue pas grand chose, mais c'est terrible, on était devant et on va peut-être rendre le relais en quatrième position, c'est inacceptable, on met du rythme, on y va. Allez, hop là, on y va, on est en retard sur les skis maintenant. On est en retard, c'est combien de temps de retard? C'est 2 secondes une, c'est pas non plus l'horreur. Allez, quatrième place. Il faut pas oublier qu'on a des Français, on a le meilleur relais, hein, meilleur relais du monde quand même. On a les meilleurs côté filles, c'est pas sûr, mais les meilleurs côté garçons, ça c'est sûr. Allez, on va tout donner. On est en train de les rattraper là, hein. J'ai l'impression qu'on est pas mal hein, sur les skis, 2 secondes une. On est bien sur notre neige, on tolère bien un petit peu, 4 degrés. Ah, on a perdu l'optimisation de nos skis, je crois, à 4 degrés. On n'est plus dans la plage et là, on est à 2 secondes 5. Allez, il faut mettre le petit coup pour passer la bosse et se mettre en position touchousse. On y est, les gars, position touchousse. Ouais. Hop, on reprend, on y va. Ah, c'est dur, 2 secondes 5. Après 2 secondes 5, Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet, il te récupère ça d'une main de maître. Allez. On va donner le relais. On va le donner, il est au bout de la ligne droite. Il est là. Ouais. On voit, ça y est. Et c'est... Regardez-le avec son maillot rouge. Je crois que c'est Quentin Fillon-Maillet. Je crois que c'est lui. Ah, je crois que c'est Quentin Fillon-Maillet hein, qui est parti là. On va bien sûr accélérer. C'est parti. Le relais, c'est plus nous maintenant. Martin Fourcade. Et il est parti en cinquième position. On va voir s'il a la dextérité, les jambes pour aller chercher. J'ai l'impression qu'il est pas bien aujourd'hui, Martin Fourcade. Peut-être le repas d'hier soir, le nem est mal passé ou je sais pas, la bouffe chinoise qui ne lui va pas. Attention, le tir. Martin Fourcade qui ne fait pas d'erreur pour l'instant. Martin Fourcade qui fait un 5 sur 5 alors que tout le monde a raté. Du coup, il repart en tête. Mais oui, mon petit Martin. Et ça, c'est pas mal. Et phénoménal, effectivement, Martin Fourcade, incroyable. Allez, il va donner le relais. Attends, mais c'est pas un relais mixte d'ailleurs. J'ai pas vu relais mixte, hein. Ça va être que les garçons là. Ouais, mais si c'est que les garçons, ça veut dire qu'on est avec Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet et peut-être. Ouais, non, mais regarde ça, mais oui, les gars, on va aller chercher notre première médaille d'or. Simon Destieux, lui aussi très bien placé à la Coupe du Monde.
Je vois pas ce qui peut nous arriver aujourd'hui pour nous empêcher de prendre, nous les 4 fantastiques, les 4 hommes, et bien d'aller chercher la première médaille d'or. Alors oui, c'est pas une médaille d'or en individuel, tu vas me dire, je la vois venir, oui, voilà, machin, tu n'as pas... Mais oui, mais c'est une médaille d'or quand même avec Destieux, la faute de Destieux, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, mec? Il fait la première balle de pioche, il l'a réussi, deuxième balle de pioche, il l'a réussi, oh le retard, oh le nul, le karma peut-être tout simplement. Oh là 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 là, il part avec 9 secondes 6. On l'appelle Simon dit le boulet du relais. Oh là 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 là, c'est terrible. C'est terrible. On avait rendu un relais tellement propre avec Martin et derrière, bah voilà, il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus rien dans la chaussette. Et là on est quatrième. Et là on est quatrième, effectivement là. Et c'est qui part? Je crois que là par contre, regardez-le. C'est Quentin Fillon-Maillet. Je crois que c'est lui. Je le reconnais à son bandeau vissé sur. C'est lui. Quentin Fillon-Maillet, 10 secondes, une de retard. Il va falloir être parfait au niveau du tir et au niveau de la glisse parce que là, pour l'instant, c'est zéro médaille hein, pour l'équipe de France. Le coup de Klim est posé. Hein. Attention, on est bien. Allez, on va arriver sur le stand de tir. Et on regarde, ça y est, le stand de tir. Faute de Doll. L'Allemagne qui fait une faute. La Suède qui fait une faute, l'Allemagne qui refait une faute. Quentin Fillon-Maillet qui va pouvoir repartir en deuxième position. Juste derrière les tip-off. 2 secondes 8, est-ce qu'il va pouvoir le rattraper? Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une médaille d'or? C'est la véritable question, il est loin. Il reste un tour, il faut prendre 2 secondes 8. Et pour l'instant il a repris 0,4. Il faut descendre, il faut y aller, viens vite. Peut-être la technique, peut-être l'équipe technique a bien farté. On a combien? 2 secondes 4 de retard maintenant. Ah, ça sent la médaille d'argent, hein. Ça sent la médaille en... Là, ça sent la petite médaille de deuxième place. La déception. 2 secondes 1. Aïe, aïe, aïe. 2 secondes 1. Ça revient quand même très fort de la part de Quentin Fillon-Maillet. On le rappelle, leader de la Coupe du Monde en solitaire. Hein. Non, on parle pas de voile, bien sûr. On parle de globe. Attention, il va terminer. Putain, on va terminer. Malheureusement, à 1 seconde 6. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup. C'est terrible. Les gars, c'est terrible. Je vous le dis, c'est terrible parce que... J'ai juste pensé que ça allait être... voilà, nous on était bien, regarde. Ski time, on a pris 0,3. Shooting time, on a pris un petit peu de temps. Mais leg 2, ça a été parfait. Et là, le leg 3, la catastrophe. Les gars, la catastrophe. Leg 3, il a mis 10 secondes, le gars. 10 secondes pour tirer. Une honte. Mais c'est pas grave. On va chercher une deuxième médaille d'argent. L'individuel. Individuel, c'est du temps seul sur tes skis. Tu prends 15 secondes à chaque fois que tu rates, c'est pas mal. Il fera cool et on sera en snow. Cool snow, donc nouvelle neige. Cool snow, on va essayer de se mettre en Rosengel Xenoin. En Rosengel Xenoin pour se mettre bien. Allez. Et attends, mais oui, mais c'est terrible. Attends, mais oui. Non, on va pas se spoiler. On va pas se mettre de pression. Mais je pense... Et ouais, le problème, c'est ça. C'est que je pense... qu'on n'est peut-être plus avec notre maillot bleu parce que Kalili, lui, c'est un Russe. Et voilà, il est là. Il a peut-être repris des points. Je sais pas s'il était dans le relais. J'ai pas regardé s'il était dans le relais des Russes. Attention, on est parti. L'individuel, c'est maintenant. L'individuel, les gars, c'est maintenant. On va tout donner. Je vous jure que je donne tout. Il est pour nous, l'individuel. Il y a 4 tirs. Donc là, faut vraiment bien gérer. Moins 2 degrés. Et c'est parti. Allez, on a mis du rythme. On va y aller. Et la grosse montée. Là, c'est vraiment une épreuve de fond. C'est long. Il faut se faire mal sur les skis. Il faut pas faire d'erreur. 15 secondes à chaque tir raté. Et c'est ça qui fait la différence. Ça va être les tirs ratés. Parce que oui, sur les skis, on va peut-être perdre 10, 15 secondes. Mais si on arrive, les gars, à ne pas faire d'erreur, on peut aller chercher. Alors que Kalili, vous le voyez, toujours notre pire ennemi. Hein. Il est là, toujours là. Allez, on va remettre un petit coup. Hop, juste avant la descente. On est bien. Moins 1 seconde 0,3 pour l'instant. Allez, on met un petit peu. On essaie de monter toujours, de mettre beaucoup de pression, beaucoup de coups de bâton sur à chaque fois qu'on arrive au pied d'une bosse pour essayer de passer le plus vite possible. Mais c'est dur. C'est dur parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Allez. Moins 0,3. On est toujours premier pour l'instant. Et vous imaginez qu'on avait mis du temps à Martin Fourcade sur les skis. Peut-être qu'ils sont partis aussi moins vite. C'est ça, peut-être aussi, hein, se dire qu'ils vont finir plus fort que nous. Allez, on a mis trop de temps là à repartir sur les skis. On était descendu trop bas. Et là, je vais pas reforcer. Je reforce pas, j'y vais comme ça. Tranquille. Premier tir. Ok, on va devoir être bon aujourd'hui. Allez, les gars. C'est pour nous.
Il y a un petit vent. Il y a un petit vent de côté, mais c'est négligeable. Pas de faute. Chaque erreur, c'est 15 secondes. C'est terrible. C'est terrible ce qui vient de se passer. Les gars, c'est terrible ce qui vient de se passer. C'est 30 secondes complètement ratées. C'est une déception. C'est une déception parce que ça se joue à rien. Ça se joue à rien et en fait, ça se joue quand même à beaucoup. Hein, à si peu, pourtant si loin. Et c'est 28 secondes de retard. On serait sorti avec une seconde, une. Putain, mais mec, ça se joue à rien aussi. Je te le dis, ça en fout. C'est quand même dingue, ça. On attrape... Non. Non, on a trafiqué mes skis, on a trafiqué mon fusil. Oh là 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 là, terrible. Des illusions peut-être pour le joueur français. Oh non, et Khalili qui est premier. On voit Khalili qui est en tête. Oh non, c'est le pire scénario possible, les gars. C'est le pire scénario possible qui pouvait se passer là. Allez, on peut remonter. Ici, on fait plus aucune erreur, les gars. Je crois que je me berce d'illusions ou pas à ce moment précis de la game. Je sais pas. J'ai envie d'y croire parce que ça serait magnifique. Pour l'instant, par contre, Khalili premier, c'est pas du tout ce qu'on a envie de voir. On le rappelle, on a le maillot bleu vissé, pour l'instant, du meilleur jeune sur nos épaules. Allez, on va se mettre en position touchous. Rah, le coup de clim, de faire de faute, ça se joue à rien. J'essaie de tirer vite pour faire les différences, mais je pense qu'il faut assurer. Mon problème, c'est peut-être l'excitation, le petit truc, tu vois, qui a envie de me dire, le petit gridou, le Justin Gridou, comme on appelle ça. Et là, Khalili, pour l'instant, qui va s'amener sur le tir, le pas de tir, et qui fait un 5 sur 5. Oh là là. Oh, le pire scénario possible, c'est terrible. Allez, on est parti. On y va. Tire debout. Allez, on y va bien, là. Ok, c'est un tir très, très rapide qui a été sorti. Très, très rapide, tir debout. Magnifique. On va pas reprendre de temps, malheureusement, mais c'est un tir qui est très correct. Hein. On était bien là. On a été solide sur les appuis. Et on repart avec 30 secondes 8 de retard. Il y en aura qui feront de fautes. Faut sauver l'honneur. En tout cas, le tir a été très, 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 très bon. Allez, on y va. On monte. C'est là. Hop. Et on va se mettre un petit peu de boost. On va y aller. Hop. On consomme. Et on y va. Et on est bien là. On passe 30 secondes 7 de retard. Ah, s'il n'y avait pas ces deux tirs. Hein. Mais avec Desi, on serait déjà champion du monde. Globe de Tristam. On aurait gagné la Coupe du Monde. On aurait aussi gagné la Ligue des Champions et on n'aurait pas pris 7-1 avec l'Eintracht Francfort. Ça, c'est des détails qui font des grosses différences. On repart, toujours 30 secondes 0.7 de retard. On reprend sur les skis. Allez, on faut y aller. Faut se faire mal. On peut espérer que Khalili et que d'autres fassent des fautes. Hein. Je regarde pas ici, juste à côté de moi, mais peut-être que toi, tu regardes et que tu as vu des erreurs, peut-être de Martin Fourcade ou d'autres. Là, c'est Khalili qui arrive. Khalili qui va peut-être faire des erreurs. Khalili qui arrive sur le pas de tir, je regarde, je suis attentif, Khalili qui fait une première frappe, Khalili qui fait, il va si vite Khalili. Oh, Khalili qui fait encore un 5 sur 5, c'est le pire truc de l'histoire qui est en train de se passer. Aïe aïe aïe, Khalili qui fait 5 sur 5, donc il fait aucune faute, Khalili est premier sur les skis, il est premier de la course, et là, bah là s'il prend la médaille d'or aujourd'hui, je pense qu'il nous passe devant, eh bien au classement général de la Coupe du Monde. Allez, on va se coucher. On a bien descendu le rythme cardiaque, c'est pas mal. Maintenant, faut pas faire d'erreur. Ok, on reprend 15 secondes dans la gueule. Les gars, on reprend 15 secondes. Putain, mais c'est pas vrai. Il y a quelque chose dans ma carabine. J'ai l'impression que ça rip au niveau. Moi, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Quelque chose qui est pas normal aujourd'hui. Et c'est 48 secondes 7 de retard. C'est terrible. C'en est même désolant, j'ai envie de te dire. Là, c'est... Voilà, il regarde à côté de nous qui c'est qui est en train de passer à toute berzingue. Ah là 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 là. Allez, on se fait doubler sur les skis. On est nul sur les tirs. Ouais, mais moins 1 degré. La neige n'est pas bonne. On peut se plaindre de la neige à un moment donné aussi en Chine parce que... Moi, je le dis. Il faut savoir se plaindre. Les artistes ne sont pas respectés. Allez, on repart 49 secondes 8. Sur les skis, en fait, ça fait 4 secondes 8 de retard. On a 45 secondes de pénalité depuis le début de la course. Un enfer. Là, ce qu'il faut espérer, c'est que Khalili se chie. Ah, il arrive. Khalili qui arrive. Il est là, tout en bas. Khalili.
Allez, allez, il faut qu'il se chine. Rate tous tes tirs. 5 tirs ratés, c'est bien. On a envie de ça. On a envie de ça, Khalidi. Je me fais doubler par tout le monde, moi, dans le même temps. Oh, Khalidi qui fait une erreur. Khalidi qui fait deux erreurs, il prend 30 secondes de pénalité. Magnifique, le sport, c'est ça aussi. Khalidi qui craque sous la pression et qui ne sera donc pas non premier. Avec 3 fautes, c'est mort, mec. 3 fautes, c'est décédé, hein. C'est pas possible. On va pas y aller. Ok, il nous reste un dernier tir. Il nous reste un dernier tir, les gars. C'est maintenant. Si on fait pas d'erreur, on peut encore espérer marquer quelques points. Ah bon, c'est quelques grappillages de points, hein. Ça sera du floconnage, hein. Allez, c'est parti. Concentration. Ça bouge à... Non, c'est un fa... Il y a quelque chose. Mec, t'as vu le vent? Plus 52.6, en fait, aussi. C'est trop. Ils ont mis un ventilateur quand on arrive pour tirer. C'est bon, le chasse-neige, le truc, là, qui balance la neige. Ils ont mis les canons à neige quand on est en train de tirer. Normal aussi qu'on n'arrive pas. Mec, 56... 56 mètres par seconde le vent, 56, c'est trop. C'est trop. Allez, il reste un dernier tour. Oh là là, c'est dur. C'est dur. 5 erreurs sur 20, c'est trop. C'est beaucoup trop pour espérer tutoyer le haut niveau. Aujourd'hui, c'est un choke, c'est une erreur. On est jeune, on apprend ici. On apprend. Allez, 5ème place quand même. Les 5ème place, mais je crois qu'on est. Mec, il va vite, les gars, il va trop vite. Vite. Moi j'ai l'impression d'être collé sur la neige là et les guides me passent tous devant. Ils me passent tous devant. Oh là 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 là. Allez, allez, on va donner. On va se donner. Aïe 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 aïe. 1 minute 20 de retard. Mais là c'est catastrophe. Ouais, en fait on est 6ème sur. Non, on est 6ème sur 6. Ah, sur 7, il y a Tom Shin qui a fait pire. Ça va. On n'est pas dernier, les gars. On n'est pas dernier. Je pouvais penser qu'on était dernier, mais il y a quelqu'un qui a été encore plus nul. Plus nul que nous, et ça, c'est incroyable. Allez, allez, allez. Hop là, hop là, hop là, on y va. On y va, on y va. Et c'est l'arrivée. Et c'est l'arrivée dans les chaussettes. Il n'y a plus rien, mec. Il n'y a plus rien du tout. J'ai plus de sprint. Il n'y a plus d'accel. On y va. Là, le quart va finir en PLS, hein, je vous l'annonce. Ça va être une PLS à peu près d'une semaine pour se remettre de cette course. Même pas. On s'est mis dans une autre position peut-être propice à cette course. Je ne prononcerai pas le mot, mais on s'est littéralement fait... Voilà, on va passer au résultat. Voilà, je le dis, c'est une autre position. C'est une autre position qui a été préférée par le coureur à l'arrivée. Elle est peut-être à corps, oui, effectivement, avec la course. Terrible, on est en train de descendre le classement 31e, 32e, 35e, 36e. Et on termine 38e. Khalidi, de son côté, va terminer 11e. Ouais, bah c'est sûr que si on nous enlève la minute de Pena, on est à plus 33 et on se place à la hauteur de Karim Khalidi. On serait juste derrière lui, on serait ici exactement, 13ème. Mais non. Shooting time, on a été pas mal. Alors tu vas me dire, on a fait beaucoup d'erreurs, donc c'est normal qu'on ait tiré vite, effectivement. Mais tu vois, c'est plutôt bon, on a été correct. Correct dans la médiocrité, c'est pas grave. Il reste la Mastart. Mastart, c'est quoi? Tout le monde part en même temps. Very warm snow. C'est notre moment. Tout le monde part en même temps. C'est pour nous. Very warm snow. Donc de la neige et il fait très chaud. Very warm. Et de la nouvelle neige. On va bien sûr mettre des Masnus Norgia 1. Oui. Je vais mettre des Masnus Norgia 1, bien sûr. Bien sûr, Roger, t'inquiète pas que je les mets. Mes Masnus Norgia 1. Oui. On les a équipés. C'est équipé, c'est la Mastart. Un maximum d'encouragement, s'il vous plaît. On est 21. On part, la Mastart. Ah oui, est-ce que Khalidi y est là? Il est là. Les 21 meilleurs, bien sûr. Puisqu'on avait fait quand même, on était bien arrivé parmi le sprint. C'est parti. Et c'est parti. On part loin derrière, mais on va essayer de tout donner. C'est parti, les gars. Bon, objectif terminé devant Khalidi. Hein. Allez. La Mastart, on peut faire bien. Mais là, tu vois, c'est là où on voit que sur les skis, on est dans la difficulté. Sur les skis, mec, on est dans le dur. Ils nous doublent tous. Allez, il faut se redonner ici du tempo. On essaie bien sûr de la jouer des coudes un petit peu. Peut-être jouer un petit peu sale, comme on dit dans le jargon.
Mais en même temps, il faut combler les écarts, il faut combler le retard avec certains. On va mettre un petit coup là ici d'accélérateur. On se remettre en position. On est derrière le groupe de tête. Et il triche aussi, lui, là. Et oui, on le décale un petit peu. On va l'enfermer sur le côté. N'hésitons pas. N'hésitons pas à enfermer les coureurs. Il faut bien se placer. On a le droit de faire des zigzags, je le rappelle. On a le droit au coup de poing, au coup de pied. Non, 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 pourquoi j'ai fait ça maintenant? Oh là 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 là. Il y en a un qui me coupe la route. Tout le monde me coupe la route, c'est terrible. Allez, allez, on monte bien, on monte bien. On est pas mal. Et on y va, on se remet un petit rythme. Faut pas non plus être trop grillé. J'arrête de forcer, j'arrête de forcer. Pourquoi? Parce qu'il y a le stand de tir. C'est deux tirs, les gars. C'est deux tirs, c'est maintenant. C'est pas grave, on sait qu'on fait la différence sur les tirs, nous. On sait qu'on fait la différence. Il faut que je vois le... Je vois pas la température, je vois pas les mètres par seconde, c'est terrible. On s'affiche là. J'ai pas le temps de regarder. Ok, on tire, on tire, on tire, on tire à une vitesse très acceptable. Il y a eu pas mal d'erreurs devant, on voit, il y a eu des blanchiments. Mais pas que, du coup, il y aura des tours de pénalité pour certains. Et nous, on y va tranquille, on se met du rythme. On y va, et on va ressortir, j'ai l'impression, à la 5e place, 6e place. Devant Simon Destieux, devant peut-être qu'il se bagarre avec Martin Fourcade. Et là, il y a un Russe qui nous passe devant. Est-ce que ce serait pas Khalili, par exemple? Oui, c'est Khalili, c'est lui, c'est ce diable de Khalili qui est en train de... Ah, il nous fait mal, hein. Il nous fait très très mal sur les skis, on va pas se mentir. Avec Martin Fourcade, Simon Destieux et Johannes Beu qui est là. Allez, allez, on prend l'Inter. On se met en position, on est bien. Objectif terminé devant Khalili, hein. C'est notre ennemi, rival numéro 1, comme on appelle. Ok, on se remet, on remet du rythme. Et on est pour l'instant bien placé. Trop vite sur les skis, je te jure. C'est quand même assez incroyable, cette histoire. Allez, on remet du rythme, on remet du rythme. On y va. 5 secondes de retard sur la tête de course. Il y en a qui feront des erreurs. On sait qu'on va pas faire d'erreur. On sait que nous, on va faire un 5 sur 5 aujourd'hui. Alors qu'il y en a qui sont en train de tricher, qui adoptent des techniques de chasse et de crabe pour monter la pente. Et ça, normalement, dans les règles, c'est interdit. Allez, on se met en position. Mais ils vont trop vite! Oh là là, c'est arrêté aussi les conneries là. On n'a peut-être pas eu le bon fartage. L'équipe technique qui n'a pas été à la hauteur aujourd'hui et qui n'a pas choisi les bons skis. On va pas blâmer bien sûr l'équipe technique, mais si on va pas passer, on peut passer maintenant. 13ème place. On est dernier, on est quasiment dans les derniers, hein, on va pas se mentir. Allez, il y a les premiers qui arrivent sur le pas de tir. On regarde pas, on se concentre sur notre tir, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pour nous. Okay, j'ai failli tirer là, on a attendu un petit peu. Ok, c'est des risques qui ont été pris. Et c'est pas de faute qui était déplorée. Donc du coup devant, ça va encore tomber. Martin Fourcade a fait une forte. Par contre Khalili n'a pas fait de faute et va donc partir devant, loin devant. On les rattrapera jamais. On les rattrapera jamais. Ils sont si loin devant. Ils sont si loin devant. On est 9ème, mec. J'ai l'impression de faire la course de ma vie. De tout donner, de tout lâcher. D'être là en mode je donne tout. Et c'est impossible. En fait, c'est impossible. Impossible, ils vont trop vite. Ils vont trop vite. Faudrait peut-être faire un petit contrôle antidopage. Peut-être. Peut-être à un moment donné, quelque chose dans le verre. Quelque chose, une piqûre. Une piste fluo sur la piste. Aïe, aïe, aïe. Allez, allez, on est bien, on est bien. 9ème place, mais c'est pas trop ce qu'on espérait. Hein. Je te le dis honnêtement, c'est pas ce que j'espérais, faire une 9ème place en faisant zéro faute. Après, ça tire bien devant. C'est la mass start. C'est le haut niveau. C'est les 21 meilleurs ici qui sont là. Et on est dans le dur. Destieux qui est premier. Ouais, Khalili, Khalili qui n'a pas fait d'erreur aujourd'hui et qui va donc marquer des points. Je vois pas comment on peut conserver. Ah, il est 6ème Khalili. Hein. Je vois pas comment on peut conserver notre maillot bleu de meilleur jeune aujourd'hui, mais on va essayer. Ah, la tartiflette peut-être sur l'estomac, mais je crois pas qu'il y ait des tartiflettes en Chine alors que je vois tout le monde me passer devant de nouveau. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, on va tout donner. Alors on a la fourque devant. Allez, 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 allez. On arrive sur le sprint. Mais on n'a plus rien là encore une fois. J'ai utilisé mon sprint pour les monter, pour essayer de combler le manque. Et on va garder, je pense, cette 10ème place. Que des numéros 10 dans ma team. Non, toi tu... Il a triché. Il m'a bloqué. Putain. C'est pas fair play ça. C'est pas grave. On termine à la combien? 13ème place. Khalili qui termine 5ème. Ouh là 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 là. Khalili qui termine 5ème. Mais en fait, on prend tout sur les ski time.
Mec, ce qui t'aime, je prends 16 secondes 8. Je prends 16 secondes 8. Mais tu m'enlèves 16 secondes 8, je suis premier. Je suis premier si je vais aussi vite que c'est meilleur. Shooting time, ouais, on a été un petit peu lent. On a pris une seconde 8 à chaque fois. Aïe, aïe, aïe. Regarde ça, lui, il a même fait un tour. Un tour, deux tours. Lui, Quentin Fillon, il a fait deux tours, j'en ai même pas fait. C'est pas grave. On reviendra bien sûr plus fort. On sera, oulala, on sera en Russie. Est-ce qu'on est encore... Aïe, on passe deuxième à la faveur de 3 points Karim Khalili qui nous passe devant des gringoles à la 13e place de la Coupe du Monde. On le rappelle, hein, cet objectif de première année, c'était vraiment de rester parmi, parmi l'élite dans la Coupe du Monde. Là, pour, on a marqué assez de points. Babikov, Varabey, Bormolini. On se rappelle, c'était les Bormolini, c'était celui qui était invincible l'année dernière en deuxième division, hein, en IBU Cup. Hein, voilà. Maintenant, c'est Porchnev qui est là. 434 points, on le voit. Mais de notre côté, eh bien, on est bien avec 289 points. Assuré de rester en Coupe du Monde. Il reste deux étapes, dont l'étape à Sochi. Ce sera... bien sûr, on se retrouve très très vite sur les skis. Je vais essayer de progresser un petit peu. On est quand même allé chercher une médaille d'argent en relais. Et celle-là, elle fait super plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et à bientôt sur YouTube. Merci beaucoup. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et que ça farte pour la prochaine fois. Il y a un petit peu de chance. Impression qu'on nous a saboté le matos aujourd'hui.